comment allez-vous? Très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Je suis pas à Paris, c'est super. Nous sommes à London pendant 48 heures. Enfin nous, vraiment, bah vous et moi. Il fait un temps incroyable, c'est génial. Je me suis booké un petit solo trip de 2 nuits. Londres, c'est une ville dans laquelle je suis venue pas mal de fois, mais je prends jamais le temps de vraiment apprécier et de me focus sur par exemple un quartier pour le découvrir. À chaque fois, c'est un peu brouillon. Je suis arrivée ce matin du coup à 10h ici, à Saint-Pancras. J'ai dû déposer ma grosse valoche dans une conciergerie pour pouvoir profiter de la journée sans avoir à me balader avec. Et je récupère mon Airbnb à 16h. J'ai trop hâte de voir l'appart que j'ai pris. J'ai vraiment tout booké avant-hier, donc il ne restait plus rien d'abordable. On va parler français. Londres, c'est vraiment une des villes les plus chères que je connaisse. On n'est pas sur un solo trip en mode économie. Surtout que là, j'ai un peu la fièvre acheteuse. J'ai déjà commencé à faire des petites bêtises. Partout des petits coffees, des petits restos. Trop mignon. Peut-être que seul, il faut éviter de se balader dans ce genre d'endroit. Je suis beaucoup trop à l'aise. Pendant ce voyage, j'ai vraiment genre rien prévu. C'est-à-dire que j'improvise. Mais s'il y a un truc que j'ai regardé, c'est si à côté du Airbnb, il y avait des studios de yoga qui avaient l'air cool. Il y en a un tout près, donc je pense le tester demain matin. Il faut aussi que je trouve où aller courir. Je pense que ce sera un bon moyen de visiter la ville tout en faisant du sport, tout en kiffant. Vous allez tomber. Je viens juste d'arriver dans mon Airbnb, enfin d'ailleurs qui n'est pas un Airbnb, je l'ai trouvé sur Booking. Oh, c'est tellement joli! Regardez, il y avait des petits scouts, c'est trop mignon! Ça a trop de charme. En plus, j'ai pas ramené de livre. La lumière aujourd'hui, j'ai pas été voir la chambre encore. C'est trop beau, il y a un rétroprojecteur. Non, mais si c'est là, on va goûter, hein! Il est 17h, je me suis changée, j'ai enfilé le cycliste que j'ai acheté tout à l'heure. Il faudrait que je vous montre. Ah, c'est mieux là. Je suis très contente, j'en avais qu'un comme ça. Et là, celui-là, il a des poches. Donc je vais mettre mon tel là, les clés là. Hop, j'ai mis les chaussures qui courent vite. Je vous mets le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Vous me demandez tout le temps mes chaussures pour courir. Celles-là, c'est les chaussures qui courent vite. Je les ai découvertes cet été pour courir mon 10K et j'ai battu mon record avec. Je vous les conseille pas forcément pour commencer, ni pour courir des longues distances. Là, je vais courir, je sais pas, je pense 7 km, 8. On va voir. Elles sont très cool. Bref, c'est parti, vous venez avec moi. J'ai trouvé ce petit canal. Et ces quais qui sont parfaits. En ce moment, je reçois plein de messages qui me motivent beaucoup. Où vous me dites que d'une façon ou d'une autre, je vous ai un peu motivé à vous inscrire à des courses, de tester le running, de tester le yoga, machin. Et ça me fait tellement plaisir. Vous m'envoyez des petites photos de vous en courant, avec vos médailles et tout. Franchement, même moi, j'ai pas l'impression d'avoir commencé à courir depuis longtemps. J'ai pas fait beaucoup de courses et tout. Mais de voir que ça a pu vous motiver d'une façon ou d'une autre, ça fait trop trop plaisir. Et même moi, du coup, ça me motive à aller courir. Donc merci pour vos petits messages. J'ai failli faire la grave erreur de m'endormir à 7h du soir dans le lit. Je me suis dit non, sois forte. Je gargouillais en même temps. Là, j'allais chez Nando's manger du poulet qui pique. J'en rêve depuis des années que j'habitais en Angleterre, à Cambridge. Je rêve de remanger Nando's. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi, il est 9h30 et je m'apprête à partir de l'appart. Il y a eu un petit changement de programme ce matin, je devais aller au yoga et en fait j'ai échangé avec un cours ce soir, c'est
c'était beaucoup plus logique de pas couper la matinée en deux. J'en ai profité ce matin, je me suis réveillée à 7h30 et j'avais des contenus à filmer pour Melvita. Et là j'ai vu qu'à 8 minutes à pied, il y avait un super brunch. Et j'en profiterai au petit déj pour regarder un peu ce que je vais faire aujourd'hui. On va organiser tout ça. Ce resto est trop sympa. C'est un peu biscornu, comme vous pouvez le voir. C'est juste en face de Shoreditch Park. Et franchement, le prix, c'est pas si terrible. Normalement, les endroits comme ça, c'est toujours ultra cher. Là, j'ai pris un avocado toast. Petit déj validé, c'était trop bon. Là, je m'en vais prendre le métro. En fait, j'ai une de mes meilleures copines d'enfance qui a habité pendant longtemps à Londres. Et du coup, elle m'a envoyé un petit itinéraire à faire qui a l'air très sympa. Donc, je vais complètement lui faire confiance et suivre ce qu'elle m'a dit. Du coup, là, je vais en direction de Primrose Hill. Apparemment, c'est une jolie colline avec une belle vue. Est vraiment parfait pour commencer la journée. Il n'y a que des maisons de fous partout. J'adore imaginer la vie des gens à l'intérieur. Là, je suis en pleine écoute d'un podcast de Bliss, comme d'habitude. C'est le dernier là sur, je crois que ça s'appelle Maman au combat. Il est incroyable. Dans le parc tout à l'heure, sous mes lunettes, j'avais des petites larmichettes. Voilà, je continue ma petite marche en direction de Camden Town. Italien près de Oxford Street. Déjà qui fait un maïs délicieux et j'ai pris des linguine, brocoli, pancetta. C'est pas mal là. Petite sieste devant Sex Education terminée. C'était très chouette. J'ai toujours besoin d'un temps calme après quelques heures dans une ville à 100 à l'heure. Et là du coup je me rends à mon petit cours de yoga. C'est à Yoga Union. Je vais avoir très chaud puisque c'est un cours d'une heure et quart dans une salle à genre 38 degrés je crois. Et le cours il a l'air trop intéressant, je vous raconterai après. Bonjour tout le monde. Nous sommes mercredi, c'est le dernier jour à London. Je vous ai pas montré ce que j'ai acheté chez Space NK. Un petit correcteur Dior. Je l'avais déjà dans une autre teinte, beaucoup trop foncée. Bref, dernier jour à Londres. J'ai pas encore pris de café, de thé ou quoi là, donc je suis un peu dans le pâté. Le hot yoga m'a eu. C'était intense. Une heure et quart avec une partie yang, donc c'était un enchaînement très intense sous la chaleur, super bien, et ensuite il y avait une partie yin, donc vraiment une méditation où tu tiens les postures pendant hyper longtemps, et ça c'était trop agréable. Là le projet c'est d'aller petit déjeuner, c'est mon moment préféré de la journée clairement. J'ai réservé un musée ce matin à 11h30, je vais au Churchill War Room, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis trop contente, et si j'arrive à 11h à être à la relève de la garde, ce sera une très belle façon de finir ce séjour. On y croit, on y croit. J'ai acheté ce petit pull hier chez Arquette. J'étais jamais rentrée dans une boutique Arquette, c'est le mal. Les petites manches, elles sont ouvertes. Et je l'aime beaucoup. Bon les amis,
je pense clôturer le vlog maintenant, avant que j'oublie. Je vous laisse avec une fin nulle. Je vous recommande le musée. Je suis restée un peu plus d'une heure. C'était trop trop intéressant. Et je pense là faire un petit peu de vélo dans Londres, tranquillou. Et après aller à la gare, travailler un peu. Donc ce sera pas très intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie soit de revenir à Londres, soit de partir en solo quelque part. Vraiment, j'ai trop aimé le faire toute seule et prendre le temps de me balader dans les quartiers que je voulais. Bien sûr, 48 heures, c'est pas du tout assez à Londres parce qu'il y a tellement à voir, tellement de musées. Enfin, c'est très riche. Je vais vous mettre aussi le lien du logement si vous voulez. Il était vraiment chouette et j'ai trop aimé ce quartier. C'est très très chill. Du coup, je vous recommande. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.